I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. Shalom à tous, shalom partout dans le monde. Vous nous suivez, c'est encore moi, votre bien-aimé, les prophètes Mesha Kondé de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Je sais que vous avez déjà suivi certaines de mes vidéos. Je parle souvent de la parole de Dieu et des enseignements. Mais aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que j'ai voulu répondre à mon bien-aimé, mon frère Camille Makoso. Je te salue, Camille Makoso, depuis la République démocratique du Congo. Je me présente, je suis ton frère Mesha Kondé. Je suis tombé sur une de tes vidéos. Je sais que tu es quelqu'un trop influent. Tu parles bien, tu es éloquent et tu fais des bonnes émissions. J'en ai suivi quand même certaines. Et bon, je voulais juste répondre par rapport à cette vidéo. Bon, je vais balancer la vidéo. Après, je vais répliquer après. Donc, question juste qu'on se mette d'accord sur certains points. Je sais que tu es un aîné dans le monde des réseaux sociaux, dans le monde des médias. Et je veux juste que les choses se passent par amour fraternel, étant que... Bon, moi, je suis chrétien. Donc, étant que chrétien que je suis... Donc c'est ça, je vais balancer la vidéo et après je reviens juste pour faire les décryptages. Je vois les gens qui viennent à la question, est-ce que Jésus même les chrétiens? En fait, le terme chrétien même n'existe pas. Le mot chrétien a été donné pour se moquer des disciples de Jésus. Voilà. Je t'explique à l'église Antioche. Pour nous ridiculiser là, on dit voici les petits Christ là. Voyez ceux qui se comportent comme Jésus là, les petits Christ là. Voici comment pour se moquer de nous, on nous a donné le nom de chrétien. C'était pour nous insulter. Jésus n'était pas chrétien. Nous là, nous sommes les disciples de Jésus. Je suis d'accord avec vous que la Bible a des erreurs. Je suis d'accord avec vous que la Bible a des contradictions. Oui, je suis d'accord. Parce que ce sont des hommes qui l'ont écrit. Matthieu, c'est un homme. Marc, c'est un homme. Ils écrivent des faits qui se sont produits. Quand quelqu'un décrit un fait, il écrit en fonction de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Donc, il peut se tromper. Il peut dire des choses. Mais moi, j'ai été en Israël pour lire la version biblique hébraïque française qui n'a rien à voir avec la tradition grecque et latin qui nous a été donnée par les catholiques dans la Bible. Parce que j'ai vu des gens prendre la Bible. Je crois en elle. Mais je suis aussi convaincu que ceux qui ont écrit la Bible ont commis des erreurs. Parce que je suis allé 18 fois en Israël pour étudier la véritable version de la Bible hébraïque et araméenne. Jésus ne parlait pas le latin ni le grec. On ne peut pas traduire une Bible de latin en français, de grec en français et nous la donner. C'est un mensonge. Prenons le cas de l'ablution que les musulmans font. Oui, c'est lave la main, c'est lave les pieds. Le chrétien doit le faire. Vous prenez le livre des Actes des Apôtres quand Paul est convoqué par Jacques. Il lui parle des bains de purification. Retournez dans le livre de Exode. Vous voyez que la bassine de l'ablution existe. Mais pourquoi les chrétiens se sont limités à cause de nos divisions? Waouh, nous voici de retour. Cher Camille Makoso, ça fait un peu rire, mais avec tout le respect que je te dois, mon frère Camille, je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu me le permets, je vais te démontrer sur noir et blanc que tu dis des choses que tu ne maîtrises pas. Premièrement d'abord, avant d'entrer dans, par rapport au décryptage, parce que j'ai eu le temps de décrypter cette vidéo de 2 minutes, Jésus-Christ s'est présenté devant Jean, disant qu'il est Alpha et Oméga, les commencements et la fin. Et en grec, quand on dit Alpha et Oméga, ça veut dire avant le Alpha, donc avant le début, il était là.
et après l'oméga, il sera là. Comment expliquer un nom, une idéologie qui est pour sa gloire et qui prend de l'ampleur, qui ne soit pas à hauteur de cela? Ouf, t'as pas bien réfléchi. En passant, la Bible a été écrite avec trois langues, au moins les trois langues. Donc l'Ancien Testament a été écrite, donc les livres de l'Ancien Testament, la Bible a été écrite dans l'Ancien Testament avec l'hébreu, donc une grande partie, et l'araméen, donc l'araméen et l'hébreu. Mais le Nouveau Testament en entier a été écrit en grec. Pourquoi cela? Jésus, quand il est venu au monde, pendant sa période, Israël était sous l'emprise romaine. Donc c'était le Romain qui dominait le monde. C'est comme maintenant les États-Unis qui dominent le monde. Et c'était pareil. Mais avant l'Empire romain puisse prendre le contrôle du monde, il y avait les Grecs avec Alexandre le Grand. Et le grec était parlé dans beaucoup de pays. C'était vraiment une langue. Si on peut comparer les Grecs à l'époque de Jésus, c'était comme l'anglais. Donc l'anglais, c'est une langue qui te permet de faire le business. Tu peux aller partout, tu veux parler l'anglais. Et c'était pareil aussi. Donc le grec était parlé pour les affaires, pour les échanges. Donc je vais venir après, ok. Première chose que j'ai une fois dit que non, le mot chrétien, c'était pour se moquer de chrétiens. Donc t'as dit c'était pour se moquer d'eux. Ok. Premièrement, d'abord, donc, on reste dans le contexte Nouveau Testament en grec. Dans le mot grec, qui veut dire Christos. Christos qui veut dire envoyé ou un. En hébreu, c'est Messia. Messia, Messia. Ok. Donc, déjà, quand on parlait du Christ, il était Christos. Ok. D'abord, Christos n'est pas une moquerie. C'est une fonction. Une fonction qui portait Jésus. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus-Christ. Et je pense en grec, c'est Jésus, Jésus Christos. C'est ça en grec, comme on l'appelait Jésus. Donc, en Antioche, c'est dans les livres de Actes 11, 26. On nous montre que les gens qui vivaient là, ils ont entendu parler de Jésus Christos. On a entendu parler de lui. Et c'est en comparant ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils voyaient, ils ont qualifié de Christos, qui veut dire simplement des Christ. Donc, des imitateurs. Voilà pourquoi Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Donc, en grec, il veut dire, soyez des Christos, comme moi je suis aussi un Christos. Donc, c'était pas une moquerie. La preuve en est que 1 Pierre 4, 15 à 16, l'apôtre Pierre dit que personne ne souffre comme meurtrier, comme voleur, mais si tu souffres comme un chrétien. Tu vois un peu? Donc, pour être Christos, c'était une joie, c'était une fierté. Voilà même dans Actes des Apôtres, quand on fouettait Jacques, on fouettait Jean, on fouettait Pierre, ils ont dit c'est un honneur pour nous d'être fouettés pour le maître. Donc, c'était pas une moquerie. Ok? Mais si tu penses que c'était une moquerie, laisse-moi te dire aussi que la croix était une moquerie. Quand on a fait la couronne des épines pour mettre sur la tête de Jésus-Christ, c'était une moquerie. On a dit, si tu es le fils de Dieu, descends, sauve-toi et on va se prosterner devant toi. C'est aussi une moquerie. Mais cette moquerie-là cachait les plans de Dieu. Parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, du coup, qu'on se moque de nous, qu'on ne se moque pas de nous, on nous appelle des Christos et ça fait partie des plans de Dieu parce que nous sommes le reflet de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes des hommes qui représentent le Christ. Ça, c'était le premier point. Donc, le mot chrétien est dans la Bible. Donc, merci beaucoup, mon cher Camille. J'avance. Tu dis que Jésus n'était pas chrétien. C'est faux.
Pourquoi? Parce que si tu pars dans Jean 4, 25 à 26, Jésus échangeait avec la femme samaritaine. Il échangeait. Ils ont parlé un moment. La femme samaritaine a dit que non, le Messie viendra. En grec, c'est Christos viendra. Il va nous enseigner des choses. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis Christos. C'est moi qui le suis. C'est moi qui te parle. Il s'est présenté comme Christos. Et Jésus-Christ, même Jean nous montre que rien n'a été créé sans elle. La parole de Dieu, c'est lui-même Jésus. Jésus lui-même s'est présenté tant que le Christ. C'est moi le Christ qui te parle. Donc tu vois que tu n'as pas raison. Le mot Jésus lui-même s'est présenté comme le Christ. Des Christos, que nous, nous sommes des Christos. Donc nous sommes des chrétiens. Je vais encore avancer. Tu as dit que la Bible a des erreurs. Oh, mon cher Camille. C'est sous base de quoi tu dis que la Bible a des erreurs? Je vais te donner le livre de Psaume 19, 7, où on nous dit que la parole de Dieu est parfaite. La Bible n'a pas d'erreur. C'est ça? Et puis, 1 Thessaloniciens 12, 13 parle de la parole de Dieu pour les hommes. Mon frère Camille, la Bible n'a pas d'erreur. C'est sous base de quoi que tu fondes ce que tu dis. La Bible n'a pas d'erreur. Je peux te le prouver. Ok? J'ai compris ton problème. Ton problème, ce n'est pas la Bible. C'est le problème du français. Le français a un problème, mais ce n'est pas la Bible. Je donne un exemple typique. Je crois que si je n'oublie pas, je vais mettre le lien, vous pouvez vérifier. En grec, pour dire je t'aime, il y a quatre manières de dire je t'aime en grec. Mais en français, il n'y a qu'une seule manière pour dire je t'aime. En anglais, il y a deux manières pour dire je t'aime. En anglais, on dit I love you, I like you. Deux choses. Mais en français, on dit que je t'aime. Mais en grec, on dit quatre manières. La première manière pour dire je t'aime, c'est eros. Quand on parle de eros, on voit l'amour entre hommes et femmes. Donc, d'où sort le mot français érotique. Donc, en passant, pour te dire, le français a emprunté le mot de racine de grec et du latin. Eros, c'est l'amour entre un homme et une femme, mariés. Quand on parle de philia, l'amour philia, c'est l'amour qu'on parle quand il s'agit de liens de sang. Parents, enfants, frères, sœurs, cousins, c'est philia. Et quand tu veux dire que tu aimes quelque chose, on dit storgé. C'est pour l'amour que tu as pour quelque chose, ou soit l'amour qui commence sur quelque chose qui n'existe pas. Storgé. Et l'amour profond. Et l'amour qu'on a pour, je sais pas, l'amour spirituel chrétienne est appelé agapao. D'où vient le mot agapé? Donc, si le français a un problème de transcription de vocabulaire correct, c'est pas la Bible, mon cher. C'est pas la Bible. Tu es d'accord avec moi? Parce que quand Jésus a dit que celui qui croira en moi aura la vie éternelle. Ça, c'est le français qui a transcrit. C'est pas la Bible. Mais en grec, ça veut dire quoi? Quand on parle de la vie, on a deux types de vie. On a les bios. Les bios, c'est la vie que nous, les hommes, nous avons. Les arbres, les animaux, tout être vivant a le bios en lui. Et les bios, voilà pourquoi on dit biologie. C'est la science de la vie. Mais par rapport à Dieu, Dieu n'a pas le bios. Dieu a les zoé. Et quand Jésus parlait de la vie, en grec, Jésus parlait du Zoé. Si vous croyez en moi, vous aurez les Zoé. Et comme en Israël, il savait bien la différence entre le bios et les Zoé. Un homme peut donner le bios. Quand tu mets au monde, tu donnes une vie. Mais donner le Zoé, c'était un domaine particulier pour Dieu. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient à tuer Jésus, parce que Jésus touchait là où les Juifs ne devaient pas toucher. Donc, c'est ça. La Bible n'a pas d'erreur. Et si tu veux dire que les évangiles se confondent, mon cher,
il n'y a pas de confusion dans les évangiles. Je veux t'aider à comprendre quelque chose. Nous avons quatre évangiles. Imaginons que je place quatre personnes pour me détailler. Il y a un qui est en face de moi, et il y a l'autre qui est derrière moi, et un autre qui est à gauche, et l'autre à droite. Et tu demandes à cette personne, détaille le prophète Meshach. Tu verras, c'est lui qui est devant moi, il va commencer à dire ce qu'il voit devant moi. Et c'est lui qui est derrière moi, dira ce qu'il voit derrière moi. Et la personne qui est à côté, il dira aussi ce qu'il voit à côté. Et celui qui est de l'autre côté aussi, c'est pareil. Et c'est pareil les évangiles. Ça se complète. Parce que si déjà quelqu'un fait un détail sur moi et qu'il regarde celui qui est devant, tu compares ce qui est devant et ce qui est derrière, tu compares selon ce qu'ils vont écrire comme bilan, statistique, tu verras que ça diffère. Pourquoi? Parce que chacun a reçu une révélation selon la position qu'il a de la personne. Ok, je vais t'aider. Matthieu a présenté Jésus comme le roi. Parce que d'ailleurs, Matthieu, chapitre 1, on nous montre la généalogie de Jésus où David est intervenu. Et toute la lignée de David. Il y a Salomon, Roboam et les autres. Et on nous montre aussi quand les mages sont venus, ils sont allés dire au roi Hérode que le roi est né. Il y a un roi qui est né. Donc tu vois, et ce seul Matthieu qui a parlé même de la fuite de Jésus, même de l'assassinat des enfants que le roi Hérode avait fait. Pourquoi? Parce que Matthieu a eu la révélation de présenter Jésus comme roi. Marc a eu le rôle de présenter Jésus son côté humain. Jésus était 100% Dieu, 100% humain. Et Marc a eu ce rôle de présenter Jésus comme un humain. Luc était médecin. Luc n'était pas un disciple de Jésus. Luc était médecin et chercheur. Et Luc, de sa part, il a eu le rôle de présenter Jésus comme serviteur, ouvrier. Hein? Et comment Jésus travaillait, comment il guérissait. Luc a eu le temps de bien raffiner ça. Et Jean, quand il est venu, il a montré Jésus, sa partie divine, la partie de la divinité de Jésus. Voilà pourquoi il a dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Tu vois un peu? Et quand tu descends dans Jean 1, tu comprends que Jean a présenté Jésus comme Dieu. Même dans Jean 14, Jean dit à Philippe, « Depuis longtemps que je suis avec vous, vous ne savez pas que je suis dans le Père et le Père est en moi. » Donc, c'était la partie divine. Donc, je crois que là, on est déjà clair. Je vais passer... j'ai corrigé déjà par rapport aux erreurs. Ok. Et puis, une autre façon encore... Thessaloniciens 13:16, on dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Ah, mon cher Camille, est-ce que Dieu peut faire une erreur? Je me pose des questions. Ok, et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Tu as dit que tu es parti 18 en Israël et tu as lu la Bible hébraïque et araméenne. Tu as dit que tu as lu la Bible hébraïque araméenne. Ok. Premièrement, je veux te dire quelque chose. Israël n'est pas le siège du christianisme. Ça, il faut retenir. Israël est le siège du judaïsme. C'est quoi le judaïsme? Quand Dieu a créé l'alliance avec Abraham, il a choisi comme nation, et ils sont passés par beaucoup d'étapes, il devait leur donner une loi, comment vivre, comment se comporter. Voilà pourquoi Moïse, quand il est venu, Dieu l'a inspiré la Torah. Donc les cinq premiers livres, et généralement l'Ancien Testament avant que Jésus vienne, c'était vraiment ça. C'était plus la loi mosaïque et quelques prophètes. Donc si toi tu es parti en Israël, tu as passé tout ton temps, tu as dit 18 fois, gloire à Dieu, en train de lire ça, sache que tu n'es pas chrétien, mais tu es plus judaïque. Parce que le chrétien commence par Jésus. Et la partie chrétienne, c'est le Nouveau Testament. Et c'est en grec.
Donc, si tu as passé beaucoup de temps en train de lire la Bible hébraïque, sache que tu es plus côté judaïque, donc côté tradition. Voilà pourquoi tu parles de l'ablution, c'est plus la tradition. Et il y en avait par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose que tu dois vraiment, 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 vraiment faire attention. Faut pas confondre les judaïques et autres que la foi chrétienne. Tu as dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Tu as dit que tu n'es pas chrétien, mais tu es disciple de Jésus. Pour ma question, comment tu es devenu disciple de Jésus? C'est que tu as cru à cette parole du Nouveau Testament pour que tu arrives à ces points. Donc, c'est que la parole que tu juges être avoir des défauts, des erreurs, tu as quand même cru à ça pour devenir disciple de Jésus. Je suis content pour toi. La Bible a été écrite par plusieurs écrivains. Ça, c'est la force de Dieu. C'est comme moi, je vais écrire un bouquin de 66 chapitres. C'est mon idée. J'appelle mon petit frère. Hey, Joe, viens m'aider. Je te dicte le premier chapitre. Tu finis, tu pars. J'appelle ma petite soeur Dorcas. Viens. Dorcas dit, viens m'aider. Je le transmets le deuxième chapitre. Il part, j'appelle Davina, ma petite soeur. Elle vient. Je la transmets le troisième chapitre. J'appelle mon petit frère Sims, Siméon. Viens m'aider. Tu vois que ils ont écrit, mais l'idée générale venait toujours de moi. C'est moi l'auteur. Et lors de la publication, on ne dira pas que c'est Siméon qui a écrit, c'est Dorcas qui a écrit, c'est Davina qui a écrit, c'est Joe qui a écrit. On dira que c'est Mécha qui a écrit. Et c'est ça la Bible. Dieu n'a fait que utiliser les hommes selon leur capacité, selon leur intelligence, selon leur faculté pour écrire pour l'édification du corps du Christ. Par rapport à la pratique de, comme tu as dit, il fallait aussi que les chrétiens puissent, puissent aussi nettoyer les pieds comme font les musulmans. Bon, si c'est pour la propriété, c'est pas mauvais, il faut nettoyer. Parce que même avant que Jésus fasse les miracles dans Cana, il y avait des jarres préparées pour ça, pour le nettoyer, pour la purification. Jésus-Christ aussi, quand la femme, la sœur de Lazare, était venue déverser le parfum, il a dit à Simon, tu es jaloux, pourquoi je suis venu chez toi, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Donc c'est normal dans la culture, mais ici nous sommes dans la foi chrétienne. Même il y avait d'autres personnes qui commençaient à croire en Jésus à l'époque des disciples, Jésus, les apôtres, et c'est circoncire, c'est conformer à la loi. Voilà pourquoi Paul les a interdit. Le christianisme ne commence pas par Paul. La preuve en est que quand Paul a vu Jésus-Christ sur la route de Damas, Paul était frappé. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il a dit que c'est moi Jésus que tu persécutes. Et Jésus l'a dit même que dorénavant tu ne sauras pas lutter et tu vas prendre à souffrir pour mon nom. Donc Paul a eu ce mandat. Voilà pourquoi il a travaillé. Il a lui-même dit que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur sans son esprit. Personne. Donc je vais te donner un verset que tu vas lire aussi. C'est Éphésiens 2, 8 à 9. On nous dit ici qu'on est sauvé par la foi et par la grâce, et non par les œuvres. Quand tu dis aux gens d'aller laver, tout ça, je ne sais pas, où tu veux en revenir, mon cher Camille Makosso. Donc, pour conclure, je comprends que tu aimes bien le buzz, je ne t'en veux pas pour ça, mais c'est toujours mieux de parler de choses qu'on maîtrise. C'est toujours important. La preuve en est que je vais donner un exemple avant de finir pour conclure. Jean était le seul disciple de Jésus qui était avec les femmes proches de la croix.
qu'est-ce qui justifie cela par rapport à ses écrits? Si tu prends Jean 19, 20, Matthieu n'a pas dit ça. Mais Marc et Luc ont dit que quand Jésus était sur la croix, on a mis un écritoire là. On a juste parlé d'un écritoire, qu'il était le roi de Juifs. Tu vois, c'est par rapport à l'expérience, par rapport à là où la position qui se trouvait. Mais comme Jean était là devant, Jean a pu détailler. Jean a détaillé que sous la croix, il y avait un écritoire qui était écrit en trois langues. Il y avait l'hébreu, il y avait le grec, il y avait le latin. Ils ont écrit ça pour se moquer de Jésus. Comme j'ai dit, on s'est moqué de Jésus, mais ça cachait toujours le plan de Dieu, parce que Dieu est mystérieux. C'est lui. Ils ont écrit, c'est le roi des Juifs. Pourquoi en hébreu? L'hébreu était la langue religieuse. Donc, pour prier, pour faire des choses, c'était en hébreu. Et on a écrit ça. Et le grec était la langue économique, la langue du business, la langue des affaires. Et on a écrit ça aussi. Et le latin était la langue politique. C'est comme dans mon pays, il y a eu certains présidents, quand ils sont venus, ils ont imposé leur langue, hein, leur langue politique. En passant, le président Obutu, c'était le Lingala. Quand tu parles un Lingala un peu dur, on dit ouf. Il doit être le sillage. Soit si il n'est pas militaire, c'est que le sillage de la présidence. Pareil quand Laurent Désiré Kabila est venu, notre président qui nous a laissé. C'était le Swahili. Quand tu parles le Swahili, tu peux intimider quelqu'un. Donc, c'était aussi une langue politique. Donc, et c'est comme ça. Donc même à l'époque de Jésus, il y avait cette langue politique. Et c'était les latins. Donc, par rapport à cela, mes frères, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. La Bible est la parole de Dieu. La Bible n'a pas les défauts. Je vous parle ainsi. Pourquoi? Parce que nous devons vraiment faire attention. Plus le temps passe, plus les choses mauvaises sont en train aussi de venir. Peuple de Dieu, la Bible nous dit, veillons et priez. En passant, je n'ai rien contre mon frère. Camille Makosso. D'ailleurs, je te salue, je t'encourage encore de continuer à faire ce que tu fais d'habitude. Je t'aime beaucoup, donc je n'ai rien contre toi, mais juste que je n'étais pas d'accord avec ce que tu as dit et je l'ai prouvé bibliquement. Donc, j'espère que si tu aimeras aussi me répondre, ça me fera énormément plaisir. Ma famille, que Dieu nous bénisse. Je vais laisser mon numéro de téléphone, ceux qui aimeront me contacter pour échanger encore plus ou pour poser des questions, cela me fera un grand plaisir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je suis très content, très joyeux de pouvoir défendre la cause de l'Évangile. Que Dieu nous bénisse.